Allez, suite. Hop, le setup est fait, regardez-moi ça. Donc j'ai été regarder vite fait. On va bien jouer à la version Xbox 360 du titre. Tout simplement parce que la version PS4 que j'ai achetée, hein, du coup tout à l'heure, en fait n'est que l'ISO PS2 portée dégueulassement pour que ça fonctionne. Voilà, alors que j'aurais aimé autre chose. Tu as une sale journée? Bah, regarde, on va tuer du zombie encore. Donc voilà. Comment vous dire? C'est un Resident Evil qui est long, qui est dur. Sans être trop dégueulasse, je vous fais confiance. Backseat autorisé. Vous avez le droit de me guider et de m'aider. Resident The American Midwestern town, Raccoon City, has been completely decimated due to the T-virus outbreak that was instigated by the international corporation Umbrella. Claire Redfield, who arrived in Raccoon City to search for her lost brother Chris, and a rookie police officer, Leon S. Kennedy, managed to escape from the city. But their ordeal was only a prelude of things to come. Three months later. Ouais, je regarde des trucs, je fais confiance. Your identification number is WKD4496. Welcome to your new home. Her name is Claire Redfield. We caught her trespassing in our Paris lab facility 10 days ago. She apparently infiltrated the complex looking for her lost brother, Chris Redfield, one of the surviving members of RPD's famous STARS teams. Ce mouvement ne veut rien dire. Don't move.
Alors, merci Jean-Luc pour ton host, merci Black Sou pour tes 31 mois de sub, c'est énorme, des gros bisous. J'ai tweeté, est-ce que c'est normal que ce soit aussi pixelisé? Oui, c'est un jeu Dreamcast à la base, donc les cinématiques forcément elles prennent un peu cher. C'est le personnage le moins utilisé, ben on la voit dans trois jeux, dans RE2, dans Code Veronica et dans Révélation 2. Et voilà, je pense que c'est bon. Alors, avec un briquet, je pourrais mieux y voir. Si vous voulez, là, sur la version PS4, tout est pixelisé en fait. Les écritures et tout... Alors attendez. Ah, il faut que j'enlève la commande sur Moobot. Perfect. Go on. Get out of here. This place is finished. I don't know, it might have been a special forces team. But in any case, this prison's been taken over. The troops have been wiped. What are you saying? You're free to leave the complex. But you may as well know, you have no chance of getting off this island. And what about you? What are you going to do? Don't worry about me. Le jeu est assez sombre. Ouais, putain, c'est... Alors attendez, parce que c'est pas les mêmes touches que d'habitude. Ah, tu peux pas régler les touches. D'accord. Oh, c'est X pour ramasser. Oh. Oh là là, Oxymore qui balance des clés. Pour un très bon jeu en plus. Eh mais on devait pas faire les DLC un jour de Little Nightmare, ça faudrait qu'on se mette dessus. Le nom de l'escorte est en bas du document. Médecin d'Umbrella Paris, 3e unité de sécurité, Rodrigo Juan Raval. Merci Mikablo pour le host. Oui, bah t'appelles ta nana, Chronos, voyons. On sait pas encore à combien le jeu bonus est débloqué. Si. Ah là là, j'ai pas mis le truc de la liste à jour. En fait, tu le vois là. C'est vrai que j'ai pas mis à jour. Salut Juanito. Elle vient que demain. Eh bah, fais des câlins, tes chats. Plus surprise. Plus surprise. Je vous promets un truc. Là, on est à combien? C'est écrit là, tout au fond là-bas. Dans l'histoire, il est où? Après le 3? Entre le 2 et le 3.
Alors, un début catastrophique. Merci Kronos qui m'a un peu perturbé en offrant 10 subs encore une fois à Drix, Itachi, Diclonius, Phoenix, Ren, Deart, Etzios, Zuf, Arax, Rulik Stone et Chips. Sorry about that little misunderstanding, but I thought you were another one of those Shut up! Make one wrong move and I'll shoot! Relax, beautiful. I said I was sorry. My name's Steve. I was a prisoner on this island. And I'm guessing you're not from Umbrella either. No, I'm Claire. Claire Redfield. Claire? Hmm. Nice. I'll remember that. Hey, I heard there's an airport around here. Once I find it, I can finally escape from this crazy island. I'll see ya. Hey, wait up! I don't want you following me, lady. You'll only slow me down. Oui, doucement sur les spoils, les gens spamment les emotes parce que c'est comme ça qu'on fait ici. Donc jour week-end, c'est moi qui te dirais bien, calme-toi un peu. Ok, donc ça, c'est comme ça. Je mets un peu son, je vais essayer de remonter un peu... Ah, attendez. Ça devrait être un peu mieux. Elle est vraiment propre cette version, hein. Elle est vraiment mieux que... Oh, il y a le demi-tour. Sur Xbox Live Arcade. Thank you.
Et je sais qu'il faut que je fasse attention aux munitions, hein. Je le sais, hein. Combien de temps on annonce du remake du 3 et de Code Veronica? Je pense que la vraie réponse c'est... Ah! Je vais m'y faire au menu. Hein. Je pense que le dev du 3 il sera lancé quand ils en auront vendu des cagettes du remake du 2, quoi. Ils seraient cons de pas le faire. Ah, fixe les zombies, putain. Ok, on a la carte. Donc là maintenant... Ça aurait été con à Calo de faire RE2 et RE4 ensuite. Non? Fermé par... De l'autre côté par un cadenas. Merde. Chronos, qu'est-ce qu'il fait encore? On a la seconde emote, question totalement innocente. Non, la nouvelle emote, je m'en occuperai après le marathon. Bon là, la logique voudrait normalement que je les esquive. La tête de Claire, je la trouve très bien. Normalement, faudrait faire ça. Merde. Ah bah merde, il était mort. Bah, normalement, il faudrait faire ça. Si on était vraiment au petit, il faudrait faire ça. Ah, la nouvelle emote. Il manque 27 subpoints. Please deposit any metallic items you have in the security box. Oh, je m'y fais pas au X pour valider, hein. Que ça sert à quelque chose de les prendre, sachant que je pourrais pas les ramener. Non, non, X, vous savez, le X c'est le carré. Hein. Là, je joue sur 3-6. Les contrôles, ouais, sont un peu bizarres à chaque fois sur celui-là. Ciao, Drog, bonne soirée! Alors, manuel d'emploi du duplicateur 3D. Notre nouveau produit, le duplicateur 3D, est composé de deux éléments. Le scanner 3D, cet élément vous permet de scanner des objets en trois dimensions.
Il vous suffit de placer l'objet à scanner dans le compartiment prévu à cet effet. L'objet sera alors modélisé en 3D, puis les données seront envoyées au duplicateur laser. Le duplicateur laser, placez le matériau qui servira de base à votre réplique sous la tête de gravure et lancez la gravure laser, les données modélisées par le scanner 3D. La haute précision de la tête de gravure laser vous assure une fidélité absolue entre l'objet original et sa copie. Totalement une imprimante 3D. C'est Caramelman. Ouais, ouais, sur les versions console, tu peux changer. Enfin, les versions de base, Code Veronica X, mais là, étrangement. Bon, je peux aller chercher ma version Dreamcast qui est derrière moi et te dire. Tu vois, j'ai ajusté l'affichage, configuration de l'écran, vibration, j'ai pas les touches. Alors, vérifiez les informations contenues dans le formulaire de demande d'accès 6 juin. Ajoutez le nom du visiteur sur la liste des visites attendues. Paul Steiner, responsable sécurité centre carcéral. Formulaire de demande d'accès au complexe pénitentiaire zone D. Nom du visiteur Karl Grisham. Objet de la visite, livraison des produits suivants. Échantillon promotionnel du nouveau produit de Metal Industry Co., le TG01. Divers matériels commandés par les services de la prise... Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Le service de la prison. Notre véhicule utilisé camionnette de transport, le TG01, sera stocké dans une valise blindée. Putain, Chronos! Bien sûr, tout le monde continue son sub. Hein. Plus de sub que Zera, putain. Effectivement, voilà, une nouvelle emote est débloquée, donc j'en ai deux à faire. Merci beaucoup, Chronos. Chris Redfield. Merci Evenful pour les bits. What are you doing here? Chris Redfield. Is he a relative of yours or something? You mean my brother? Ah. Your siblings. Well, it seems your brother is under surveillance by Umbrella. What? Oh oh, alerte au Google. I've got to contact Leon and tell him to let my brother know he's being monitored. It's a good Merci thing Yannick to have access to an outside connection. That file shows latitude and longitude of this place. Pour les cadeaux de sub, merci beaucoup. Why don't you send your brother the coordinates and ask him to come help? Thanks, I'll do that. Hey, I was just kidding. There's no way he could get here, even if he is your brother. Yes, he can, I'm sure of it. Ah, et encore les bits, merci Evenful. He won't come. You'll just end up disappointed if you rely on others. Believe me, I know. I know. Believe me. What was that all about? Et ça continue. Don du week-end, merci Jorus pour autant de pognon. Oh bah, ça y est, on est reparti. Hein. Merci beaucoup. Ah oui, alors, je tenais à dire, la dernière fois, regardez, qu'on a joué à ce jeu-là, c'était pendant le marathon. C'était pendant le marathon de Resident Evil. Et regardez comment ils m'ont salopé les sauvegardes. C'est... On va se mettre tout en bas pour la peine.
Ah, tellement Black Swan. Comme je disais, si vous me voyez louper des gros objets, le backseat, il n'y a pas de souci. Le jeu, je le connais, il n'est pas simple. Donc, il n'y a pas de problème. Et je voudrais juste prendre deux secondes aussi. Donc, Steve lui fait « Tu connais Chris Redfield ?» Elle lui répond « Mon frère ?» Et puis elle fait « Ah, vous êtes donc frère et sœur ?» Oui. Viens de te le dire. Ouais. Merci. L'email pour Léon a déjà été envoyé. La porte est bloquée par quelque chose. Possible de l'ouvrir de ce côté. Des bisous. Ah non, mais il y a Ocrex aussi qui donne des sous. Merci. Des gros dons en plus, hein. Donc merci beaucoup les gens, merci. Please deposit any metallic items you have in the security box. Oh, encore les bits. Merci Evan Floul. Avec la petite main zombie. Ah oui, ça va, elle est... C'est vrai qu'il y a cette petite emote. Ah, ça te dit que c'est pas en métal. Il me fait peur, hein, ce jeu, un peu. Hein. Parce qu'il est vraiment pas simple. Hein. C'est ça que j'aurais voulu faire dès le début. Ah ouais, donc avec ça... Alors je crois que... là... Emblème bouclier. Oh, j'ai plus assez de munitions, putain. Bah ouais, non, mais les munitions dans celui-là, c'est dur. Hein.
Là, je crois que les chiens, si tu marchais, ils te laissaient tranquille. Non, c'est peut-être les liqueurs qui font ça. Est-ce qu'on est dans la merde? On est bien dans la merde. Normalement, j'étais pas censé avoir J'étais pas censé avoir le double flingue à ce moment-là. Y a pas un truc avec le couteau aussi si tu vises la tête Double flingue dans la maison centrale là où il y a les chiens. Mais merde, j'ai raté une pièce, ça veut dire. Salut Astrain. Tu fais super bien le zombie, Dédé. Salut Roby, comment ça va? Ah bah oui, il y a une porte là. Ça devait être là. Le journal du prisonnier. Cette pièce pue la mort. D'après ce que je sais, cette île doit se trouver bien au sud de l'équateur. Encore heureux que Bob, mon compagnon d'infortune, ait de la conversation. Bob m'a raconté comment il est arrivé ici. Une histoire de fou. Il bossait dans ce complexe et son patron, un certain Alfred, l'a foutu en geôle parce qu'il aurait commis une faute professionnelle. Mais que se passe-t-il? Et qu'est-ce qu'ils vont faire de nous? Extrêmement de mal à lire aujourd'hui. Un groupe de gardes armés est arrivé sans prévenir et a emmené Bob dans le bâtiment qui est derrière la guillotine. Cette nuit, j'essaierai de sortir discrètement pour voir ce qu'il se passe là-bas. Il y en a qui disent que ceux qui partent là-bas n'en reviennent jamais, sans compter ces grands sacs plastiques qui sortent avec Dieu sait quoi dedans. Pauvre Bob, je ne donne pas cher de sa peau. Pauvre Bob. J'ai eu tort, je n'aurais jamais dû y aller. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? J'ai entendu des rires terrifiants et les hurlements de Bob. Je ne sais pas quoi faire, ces bruits résonnent dans ma tête et me rendent fou. Je vais y passer moi aussi, je ne peux pas les laisser. Je ne peux pas. Depuis la dernière fois, tous mes compagnons ont été emmenés dans ce bâtiment. La prochaine fois, ce sera mon tour. Visiblement, nous n'étions là que pour servir de cobaye à Alfred et ses sbires. Mais ramasse-les, bordel! Tout se passe... Tout est sous contrôle. J'utilise beaucoup de balles. Oui, bah... oui. Écoute, hein.
Ah, tu m'emmerdes, Kronos. Tu m'as promis un week-end à Paris avec un apprentissage de golf, mais je veux aussi tapis rouge et tout et tout. Je ne dépenserai pas un euro ce week-end-là. Promis. Non, mais tu laisses pas... Kronos, c'est extrêmement généreux. Merci à toi. Tu ne laisses pas une chance aux autres de participer. Tu vois ? Bah du coup, bah merci. Du coup, avant que... voilà, on va faire ça. Et on va faire ça. Voilà, comme ça, il n'y a plus rien. Non, 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 il n'y a plus de cagnotte. Il n'y a plus rien. Merci beaucoup, Kronos. C'est très généreux. Salut Shimani. Vous avez explosé la cagnotte. Et ce système de visée nul. Excusez bonne Foya. Vous pouvez toujours donner, ça fait plaisir. Voilà. C'est juste que ça ne débloque plus rien. Ah. Bah, je peux la sauvegarder en fait. Je pense que vous voulez savoir c'est quoi la surprise. Franchement, je pense que je peux me prendre encore un hit avant d'utiliser la plante. Salut Devil Shadow. Non. Tournez. Appuyez sur le bouton. Et dedans, il y a une plaque de TG01. Il y avait également un document. Ça a tenu vachement longtemps. Ouais, mais t'as quand même tout cassé. TG01. Rien n'empêche de continuer. Je vais pas vous dire non, ce serait con, mais merci Selark. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à nos produits. Notre savoir-faire nous permet aujourd'hui de vous proposer le seul alliage non repérable par les détecteurs de métaux, le TG01. Caractéristique du TG01, invisible au détecteur de métaux, indécelable par photographie au rayon X, au contrôle d'immigration léger et fiable. Nous prévoyons de développer divers types d'armes à partir de cet alliage. Nous avons le plaisir de vous en proposer un échantillon à titre gratuit. Nous restons à votre entière... Tom-tom. Pour le plaisir, donc. Tom-tom. C'est le truc de Dark Souls, ça. Merci beaucoup, Tom-tom. Échantillon à titre gratuit. Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. Metal Industry Co. Ah, mais vous allez tenir les comptes. Alors, le truc, c'est que je peux donc l'amener à la machine.
pour aller graver un truc. Mais graver quoi? Ah mais il me faut l'emblème. Ah, faut que j'aille graver l'emblème en fait. C'est ça. Oh, bonjour. Donc toi, vous voulez pas savoir la surprise alors? Bon, tant pis. Hein. Bonne soirée, la Libère. Please deposit any metallic items you have. Mais la surprise, regarde. Bon, c'est derrière les... Derrière, c'est écrit Doki Doki Literature Club plus surprise. Là, vous voyez pas, mais c'est écrit derrière, promis. Alors, ce sera une surprise. Bah non, mais la surprise, c'est bon, vous l'avez débloqué. Ah non, le briquet. Une soirée entière de bagarre. Non, c'est un truc que j'avais déjà discuté, que je voulais faire, et là je vous annonce officiellement que courant de l'année prochaine je le ferai. On se fera un marathon Half-Life. Le marathon super séduceur pour la Saint-Valentin, bien sûr. Comme il y a 99% de chances que je sois toujours célibataire d'ici là, je devrais avoir du temps libre. Pour l'annonce du 3, peut-être que je sais des choses. Non mais sérieux? Non mais j'ai pas d'armes, comment j'y vais? Donc, mais tout, hein, avec Half-Life, Opposing Force, Blue Shift, épisode 1, 2. Tout. Oh non, Catherine, on l'a déjà fait, c'est bon, ça suffit. Please deposit any metallic items you have in the security box. Alors tu vois, Doom, j'ai beau adorer le jeu, je pense qu'en marathon... J'ai encore besoin de l'extincteur, je pense pas.
Ouais, c'est plus tard. Ça veut dire qu'en Antarctique, ça veut dire qu'il va falloir que je l'ai sur moi, c'est ça? Ou c'est un autre extincteur? Le mettre dans un coffre. Ah, il faudra... Quand j'aurai débloqué les coffres, ouais, il faudra penser à le mettre dedans. Voilà, on est à la moitié du jeu. J'en ai pas besoin là aussi du... de l'extincteur. Et en fait, j'en ai besoin là. 1000 subs ? Ah non, non. Non, ça doit être 5000 ou 2000, je sais plus ce que j'ai dit. Mais ça me fait peur parce que... On va peut-être y arriver un jour. Non, pas besoin ici. $14 milliards de subs. Avec en plus Elder Scrolls Online. Mille sub points, c'est un marathon où c'est vous qui choisissez les jeux. Ça, je vous l'avais promis. Celui-là, vous devriez pas y être tout de suite. Bah, Catherine, tu vois, faudrait tomber sur PS3 ou 3.6 avec jeu de puzzle. Tu vois, c'est assez... Et puis rappelez-vous que j'ai mon droit de veto. Rouge là qu'on va peut-être laisser parce que j'ai pas de... Sérieux. Ah oh, putain, les carreaux d'arbalète. Oh, l'arme la plus nulle du jeu. Pas, tu sais, les mecs, c'est... Vous avez reçu vos carreaux d'arbalète mensuels? Ok. Il n'y aura rien de spécial pour mon anif parce que on sera... On sera en plein Witcher.
C'est incroyable comment comment j'en ai aucun souvenir à chaque fois de ce Resident Evil. La clé étiquette. Avec le mot entrepôt. Ouais, mais t'as vu combien il faut mettre de carreaux dans un zombie? Yellow? C'est n'importe quoi. Quand ils sont explosifs, ok. Contre les mecs en jaune, quand les carreaux sont explosifs. c'est la version HD qui est sortie sur PS3 et 3.6 en version des maths. Je joue avec une vraie manette d'Xbox 360. Salut Arcadie. Elle rend pas mal, faut régler un peu les couleurs parce que le jeu est extrêmement sombre. Tu vois, j'ai dû tricher un peu. Il n'y a pas un code pour avoir des munitions infinies. Ah, ça doit être l'entrepôt, ça. Que ça dedans. Putain, mais donnez-moi un coffre, bon sang. Sérieux. Je vais à ce jeu. Il y a un glitch pour bugger les munitions. Ah, c'est bien ça. Alors, par curiosité, c'est quoi? Du coup, moi, ça... j'apprécie toujours les glitches. Ça marche avec le manuel que tu avais au début. Ah, d'accord. Bah, vas-y, explique quand même. Hein, ça me... Ma grande passion pour les glitches. Mario 64, incroyable. Ah bah, l'arbalète, parfait. Il y a un dossier. Comme vous devriez tous le savoir, le système de verrouillage d'urgence de la porte du labo peut être désactivé par un code à 4 chiffres. Je viens de recevoir une note de l'administrateur système nous demandant de modifier régulièrement ce code. Je connais votre propension à perdre les mémos, les codes et autres éléments importants. J'ai donc une idée, une sorte de moyen mnémotechnique. Vous vous souvenez tous du portrait du squelette rouge présent au fond du labo d'expérimentation biologique. J'ai décidé que le nouveau code serait le nombre inscrit au bas de cette image. Il vous suffira de le regarder pour retrouver le code, et ça augmente. Et ça permettra de trouver enfin une utilité à cet horrible tableau. Je crois cependant que nous n'aurons pas à utiliser souvent ce code d'urgence, mais au cas où, vous saurez où le trouver. D'ailleurs, les carreaux explosifs, il faut les garder. Ouais, exact, j'ai vu. Me regarder ça ce soir. Carreaux explosifs, il faut les garder, parce que contre le boss de fin de... scénar de Code Veronica, c'est ce qu'il est, il en faut 18, je crois, de mémoire.
Level 3. Emergency. Et merde, j'ai pas pu aller voir la porte à côté. All personnel, evacuate immediately. Et là, au moment, tu savais où elle a le... That was close. Elle a le dos au sol et les jambes recroquevillées. La porte se ferme sur elle, ça fait crac. Est-ce que là il y a les chiens? Je crois qu'il y a des objets au fond. Et je crois que c'est fermé au fond. Delalone, comment on va? Je vais devoir les tuer. J'ai déjà plus de vie. Oh, les bruits de moustiques. Le truc insupportable. Pas 3. On va tenter 4. Version PlayStation 3.6. C'est la version qui est sortie sur le XBL. Première salle de save. Note du secrétaire. 4 ans déjà que je suis au service de Monsieur Alfred. Il ne fait confiance à personne. Même moi, son assistant, je n'ai pas le droit d'entrer dans son château. Que cache-t-il donc de si important ? Il paraît qu'il vit avec sa sœur jumelle Alexia dans la demeure sur la colline. J'ai parfois aperçu une silhouette à la fenêtre, c'était peut-être Alexia, dont la grande beauté alimente les conversations ici. J'ai posé une fois la question à Monsieur Alfred, ce qui l'a prodigieusement agacé malgré ma position d'assistant. Je n'ai pas le droit à un régime de faveur, je risquerais probablement ma vie si j'abordais ce sujet à nouveau. Je me demande... tout de même, pourquoi il tient tant à dissimuler les aspects de sa vie privée avec Alexia? Non mais c'est un jeu Dreamcast à la base, Kronos. C'est un lissage HD, mais voilà. Ça reste un jeu 3.6. Dreamcast. Mais j'étais étonné hein, que vous ayez mis Code Veronica. Moi je m'attendais vraiment à voir du RE1 remake. Tut, tut, tut.
même que, peut-être pour vous, que c'est trop clair, là. Voilà, ça devrait être mieux. Ce que je vais faire, c'est que pour pas l'oublier, je vais aller chercher... Je vais aller chercher l'extincteur. Attends, je sais pas encore quand je vais faire ça, Chronos. Hein. LTC 0394. Tu retourneras pas loin de l'extincteur plus tard. Ouais, mais je vais l'oublier. Offert de dons pour son PC. Quoi? Non. Pas trop, Floya. Généralement, pas trop. Hein. Parce qu'en fait, je me le répète dans la tête en boucle depuis tout à l'heure. Bon, t'es sûr, Yannock, hein? T'as intérêt d'être là. Et si je l'oublie... Ce sera de ta faute. Les chauves-souris, il suffit de marcher, c'est ça. Ah oui. Les conjugaisons des... Des chiffres et tout avec 20, 100, des fois il y a un S, des fois il n'y en a pas. Oh là là. Oh l'emmerdement. Sinon j'aurais pu vous proposer aussi un marathon Nier où on débloque toutes les fins. Ah oui, moi j'ai un truc très simple dans les Resident Evil que je fais depuis que je suis gamin. Le premier truc en dessous, le trait rouge, c'est les rubans encreurs. En dessous, c'est que les soins. Au-dessus, c'est que le reste. J'ai toujours fait ça. Ça peut être sympa ce marathon de Nier. À la limite, il y a une version 4K. Le souci, c'est qu'avec quoi je la lis, tu vois, sur ma télé. Le truc, c'est que
Limite, faudrait reprendre Nier, mais juste faire la fin B, en fait. Pour mieux comprendre. PM4 ? Non, MP4, ça doit être. Bah, mais le souci, c'est que, par exemple, le truc avec lequel je lis les DivX, il sort pas du 4K, c'est le Nvidia Shield. Alors déjà plus que 39%. DivX. Et vous vous rappelez du XVID? Mais qu'est-ce que c'est que cette pointe de course là? Ça remonte hein, le XVID. Hein. Un écusson en or est fixé dessus. Un écusson en argent est fixé dessus. Tu peux faire les deux, Miguel. Hein. Écusson argent. Moi j'étais un pionnier. Et attention, c'est vrai, hein, j'avais discuté avec le mec qui avait créé le codec. Parce que j'étais vraiment un dingue de l'encodage vidéo à une époque, en étant un peu plus jeune. Un pionnier du MKV RV9. Ça remonte. Hein. En fait, j'ai rien. Ça, c'est pour ceux, c'est pour les vrais, ça, qui connaissent. Ou à l'époque, on parlait, on se disait, il y a un nouveau truc qui arrive, c'est le X264, ça va être dingue. Voilà, c'était il y a 15 ans. C'est pour dire que le X264, c'est vieux et dépassé aujourd'hui. Vive le X265. Quand tu veux, Twitch. Non, MP4, c'est un conteneur, ce n'est pas un... Ce n'est pas un codec vidéo. C'est comme un .avi, .mp4, .mkv, tu vois, les extensions, c'est des conteneurs. Oh putain. Je pourrais taper les chiens pour être tranquille, j'ai pas mal de balles de pistolet. Bonsoir Carmelman. Fermé. Là, j'arrive pas à me remettre où c'est. Ah si, je vois comme ça.
Gradient. Ah oui, d'accord. Écoutez ce petit bruit de moustique qui s'infiltre dans votre tête. Tu l'entends pas ? J'arrive un peu à les esquiver les chiens, mais je me prends un petit hic de temps en temps. Mes jeunes années fansub. Ah, on sent que le Z-Event a démarré, hein. Salut Dalpha, merci d'être là, d'ailleurs. Ça me touche. Un petit 200 fléchettes, sachant qu'il en faut 50 par zombie à peu près. Ah ouais, surtout pour le lancement. Ils sont à combien? Je pense que la chaîne principale, ça doit être Zera. Mais c'est bien, c'est un bon événement. Qui récolte, que ça marche et qui récolte un max de blé. Dès que c'est caritatif... Bah non, moi, Zerator, il me connaît pas en fait. Très honnêtement, il m'aurait proposé avec grand plaisir. Parce que derrière, c'est une bonne cause, c'est Médecins Sans Frontières quand ils veulent. Mais Zera me connaît pas. Non, ça, c'est un placard, ça. Ah, ils sont là-bas aussi, mon kill. Eh ben. Quelle est la suite? J'ai raté une porte. Bah oui, mais c'est pas parce que je connais Jean-Mi et René que Pierre, qui connaît Rémi et René, va m'inviter. À sa soirée.
Non, c'est frère et sœur qui s'aiment beaucoup. Je sais plus ce qu'il faut faire. Oh, j'ai perdu de la vie, putain. Faut revenir avec Steve, je crois, une connerie comme ça. Kishar. Non mais je trouve que pour un début de RE, il est tellement énervé celui-là. Tu sais, tu sais pas trop où aller. Très peu de munitions, très peu de soins, beaucoup d'ennemis. Il est où? Ah oui non, c'est là où j'étais. La paire s'unira, ma colère s'apaisera. That was too close. But I found something, thanks to you. Looks cool, huh? Oh, I need those. Give them to me. You gotta be kidding. I found it, and I'm keeping it. Fine. Let's make a deal. I'll trade you for something fully automatic. See you around, Claire. Adios. Hey, wait, Steve! Quel trou de balle. C'est la personnification de l'expression trou de balle, ce mec. Redfield, how dare you interfere with my operation? What are you talking about? You let yourself be captured so you could lead your people to this base. I have no idea what you're babbling about. You don't fool me. I am Alfred Ashford, commander of this base. Oh? You must be one of Umbrella's lower level officers if you're in command of a backwater base like this one. How dare you! The Ashford family is among the world's first and finest. My grandfather is one of the original founders of Umbrella Inc. Now tell me, why have you attacked this installation? Attacked? Shortly after you arrived, my base was attacked.
You must have informed your people of its location. I still don't follow you. I really don't know anything about that. Unacceptable! How can you deny it? My base has been destroyed. And thanks to you, the experimental T-virus was released, creating countless zombies and monsters. Tell me, who do you work for? Who sent you? Have it your way, then. You're just a rat in a cage anyway. I'll be sure to keep you entertained before I dispose of you. Ce rien. Du coup. Oh, ça devient chaud à les esquiver. Et oui, parce que maintenant, sous-marin. Tout le monde a un sous-marin dans son jardin, non ? Ah, la sacoche. Qui apparaît pas, d'ailleurs. Maintenant, on peut porter plus d'objets. Bah, sous-marin, c'est simple, t'abaisses le levier, puis voilà. T'as dû faire sous-marinier ? Ouais, mais faut faire l'armée, hein. C'est pas le plus fun, hein. Si, sous-marinier, ça existe. Merci Javaero. Un sur-marinier. Bien, Tomo.
Comment je me fais peur chaque matin au réveil? Merci la musique. Il ne doit plus me rester beaucoup, hein. 13. Ah, pour des carreaux d'arbalète, bien sûr. Et le passe contamine. Ça, ça va être du coup pour ouvrir. Centre militaire, d'accord. Ça pourrait ouvrir les portes, ok. Alors du coup, samedi, on s'arrêtera à... On s'arrêtera à 21h, parce qu'à 21h30, il faudrait que je me cause sur la JVTV pour commenter la conf Xbox. Il y a une conf Xbox, et d'après les premiers... salut Woody. Non, c'est vraiment Xbox, et d'après les infos que j'ai eues, il y a l'air d'y avoir des trucs intéressants, en fait. Et je serai, alors je vais commenter ça, je suis le maître de cérémonie bien sûr, parce que l'âme est pas là. Je les aime bien eux. Donc je serai avec Sylvain, Pentaro et Épion. En ce moment, Crackdown 1 est gratuit. Ah, je te promets, Missen, si ce qu'on m'a dit s'avère, ça peut être cool. Pour être honnête, je sais même pas si je gagnerais plus en CDI. J'aurais la sécurité de l'emploi. Elle est bien la One X, hein. Peut-être un nouveau trailer pour Crackdown 3 qui a été repoussé encore pour ne pas sortir le 22 février.
On va finir par vraiment l'oublier, mais le truc, c'est que je pense que personne l'attend, Crackdown. Il est programmé pour être un échec, ce jeu. C'est triste. Prima Games va mettre la clé sous la porte. Qu'est-ce qu'ils font, Prima Games? Ah putain! Les guides des jeux, oh, bah, j'en ai jamais acheté, donc je t'avoue que. Un peu ni chaud ni froid. Le Ténia. Y a pas un truc où genre faut marcher? Vue FPS. Oubliez, en fait non, je la laisse là parce que j'ai pas forcément de place, si, quoique maintenant en fait j'en ai. Je vais aller la prendre. C'est un très très bon, il est juste connu comme étant assez long et difficile en fait. Mais non, c'est Code Veronica, c'est du bon. Avoir beaucoup trop de munitions. Welcome, Claire. Cette imitation de dauphin. Consider the area you are in a special
playground I have prepared just for you. Please try and keep me amused. Il y aura différence. And do not disappoint me by dying too soon. I so want to enjoy this. C'est les gens, ils ont dû être... C'est quoi ce rire? Ouais, c'est bon, le garde, il est marrant. La cagnotte est explosée. Bon, voilà. Maintenant, c'est que du bonus pour le KitchenAid. Je suis sûr que pour le Black Friday, je peux en trouver un en promo. Je me rappelle de ce qui se passe. Combien ça coûte un KitchenAid sur Amazon ? Parce que j'ai pas besoin d'un gros modèle, hein, parce que ça monte en vue. En fait, tu peux trouver... Parce que tu peux trouver des équivalents à un KitchenAid assez stylé. Mais là, le truc, c'est que le KitchenAid, tu l'achètes, tu le gardes toute ta vie. C'est un truc, c'est tout en métal... Voilà, tu l'as, tu le gardes vraiment toute ta vie, quoi. Philips même. Sûr de toi, Jorus, là, au niveau du nom? Parce que moi, je trouve... Le premier résultat que j'ai pour Philips Mum, c'est une tondeuse pour te raser la bite. Alors, voilà. Visage, corps, protection, zone sensible. Donc, on sait ce que ça veut dire. Donc t'es sûr de toi? Ah! Non, mais dans les robots à pâtisser, t'as aussi t'as Kenwood qui en fait des pas mal. Bah, c'est juste que je parle de KitchenAid parce que c'est la Rolls, quoi, entre guillemets. Vous aussi, vous avez des LED? C'est bizarre. Une femme, ça fait bien la cuisine. Ben oui, mais j'aime ça, moi, cuisiner.
C'est quoi ce lien qui marche pas? Don't worry, Claire. Your knight in shining armor is here. You wish, but thanks for the help. See? This is why you need me. I got your back. Whatever. Here, take these. Machine guns? For me? You know the deal, in exchange for your Lugers. Okay, okay. Petit branleur. This thing is too cool. Yes! Now this is my kind of weapon. All right! Huh? Hey, this thing's empty. T'as pas de munitions. Tu vas mourir. Up there, plenty of ammo, just for you. Way up there? Give me a boost and I'll get it for you. All right, all right. Ow! My back! You're heavier than you look. Hurry up! Happy now? Non, j'ai 12% dans mes guns, pas dans les Uzis, ils étaient à zéro. Now that your knight has made his appearance, he can join you in your descent into death. L'ED, ça va être cette version-là, ça va être Xbox Live Arcade ou PSN sur PS3. Mais clairement pas la version PS4, j'ai gâché 15 balles. Ok, let's do it! Wait here, Claire! Time to test out my new toy. Je peux le revendre? C'est du démat. Ah! Ah oui! Tellement content de jouer Steve. Ouais, non, mais j'ai gâché 15 balles. Voilà. Je voulais me faciliter la vie à tout avoir sur... À tout avoir sur la PS4. Parce que j'ai Resident Evil 0, 1, 4, 5, 6, 7... sur PS4, donc j'ai dit je vais essayer de tout centraliser là. Ah, c'est la version PS2 qui est dégueulasse. Tu vois tellement de choses là. RE5 et 6 existent, oui, et ils sont pas... Ils sont différents, mais ils sont pas mauvais. En coop, c'est très bon jeu. RE5 et 6. On les avait fait le marathon avec... En coop, ouais, avec deux télés côte à côte, le setup était stylé. Hein. Faut faire une pause. Faut faire une pause, parce qu'après on va s'arrêter à 23. Donc je propose... Hop! Regardez-moi cette mèche. Oh là là, tellement de classe. Allez, on se fait 2-3 minutes de pause. Je vais me dégourdir les jambes, m'étirer, hein, vous m'avez entendu tout à l'heure. Et je vous dis à tout de suite. On coupe bien le micro.